Pardon. Ouais. Arrêtez de vous marrer, ça va être à vous. Hippolyte, concours, vous avez demandé un micro et un plexiglas. Est-ce à dire que vous allez nous postillonner une chanson? Exactement, le terme est très juste. Vous allez vous-même vous cracher une chanson, comme dirait Boris Vian. Et voilà, non, mais c'est un petit hommage à nos soirées d'hiver qui arrivent et qui précèdent Noël. À Paris, il y a des migrants doudounes qui vendent des roses rouges. D'où viennent-elles ces roses sous cellophane? Il fait froid depuis ce matin, on marche comme des pingouins. Nos petits manteaux de cachemire tiennent mieux que leurs banquise. Les terrasses sont pleines comme à midi, ok, midi et demi. Tandis que les chauffages sur nos têtes brûlent la planète. Alors je bois du Saint-Amour, parce qu'on souhaite toujours et avoir un jour, et les saints et l'amour. Voici venir le célèbre acteur, en manteau et casquette. Mais dès qu'il part, la conversation vire quéquette. Saint-Amour réchauffe les mots et échauffe les corps, alors que les chauffages sur nos têtes brûlent la planète. Poète au crâne poitoué, accolé au félis, un chasseur de tir. Mais que ne peut-il de ses ciseaux nous découper une autre terre? Je regarde dans le ciel avec espoir de voir les comètes Van Gogh, mais je ne vois que le sang qui s'est changé en smog. Ici dehors en plein hiver, juste par que fumeur, alors que les chauffages sur nos têtes brûlent. On dépêche de fêter Noël, même si c'est dans trois semaines. Mais qu'au cas où pas, on apprend l'alphabet grec. On garde le silence, on trouve des enjeux d'importance. Est-ce que les filles sont plus intenses, ou juste les garçons moins denses? Est-ce qu'une femme peut être présidente, ou plutôt destinée perdante? On est lucubre, alors que les chauffages sont nos têtes. Brûle la planète. Cette fille veut a kiss in the morning. Je dis, et pourquoi pas une rose? Elle fait tomber son trench et dit, fuck, excuse my French. Le type en doudoune me dit, je n'ai pas de monnaie, mais j'accepte les cartes. Alors j'offre une rose à Emma avec American Express. Des forêts, des roses d'utopie dans une rue de Paris. Acheter son contact. Alors que les chauffages sur nos têtes brûlent la planète. Alors les chauffages sur la tête brûlent notre planète. Hippolyte Girardot, ouais, accompagné de Frédéric Fromet, qui vient clairement, de raconter notre soirée d'hier soir, en toute décontraction sur l'antenne. Voilà, comme quoi tous les sujets sont possibles. Et vous parliez de ciseaux, de collage, c'était le vernissage de Djoubaka, notre programmateur musical, qui propose dans une galerie à Paris ses collages. Les yeux fertiles, c'est 27 rue de Seine si vous avez l'occasion. Jusqu'au 15 janvier.